Nous sommes maintenant à la session 7. Heureux de vous revoir. Regardons ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous avons considéré premièrement comment il fallait établir les principes pour être un enquêteur neutre. Ensuite, nous avons considéré la théorie de l'évolution avec l'idée de l'athéisme. Et quand nous avons regardé cela, nous avons examiné les deux côtés. Chaque fois qu'il y a deux théories, nous devons examiner les deux. Nous avons donné aux deux la même chance de gagner. Et à cause de cela, nous pouvons dire que donc jusqu'à présent, nous avons fait un très bon travail d'enquêteur neutre. Nous avons également examiné le pluralisme, qui dit que toutes les religions amènent à la même destination. Nous avons donc examiné cela, et non, cela ne se retrouve pas dans les écrits religieux, parce que chacune des religions prétendait être le seul chemin. Nous avons examiné la logique de cela, et nous avons constaté qu'en fin de compte, il n'y a qu'une qui peut vraiment être appelée légitimement le seul chemin. Alors, nous avons également dit que nous ne pouvions pas comparer les doctrines, les principes de foi, les philosophies. Nous avons dû leur ajouter autre chose pour nous aider à faire ce choix. Et j'ai donc dit que nous allons regarder les histoires. Nous avons également dit qu'il y a une manière dont nous l'examinerions, en ne recherchant pas la supériorité, mais pour quelque chose d'autre, la singularité. Alors, rappelons-nous des billes. J'ai dit que s'il y avait une seule bille qui était correcte, une seule bille de couleur correcte, et que j'en avais quatre violettes, trois bleues, deux vertes et une rouge dans ma main, quelle serait la bille de couleur correcte? La rouge, parce qu'elle serait la seule qui serait rouge. De la même manière maintenant, quand nous regardons les facteurs para-religieux, la partie historique, nous allons rechercher la bille de couleur correcte, la rouge, celle qui est si différente de tous les autres. Alors maintenant, nous allons poser les questions concernant ces facteurs. Pas les croyances religieuses, pas les doctrines, pas ces philosophies, mais l'histoire et ses facteurs para-religieux. La première question, et nous allons en poser plusieurs au fil des sessions. Alors la première question, c'est quel genre d'œuvre et ce texte religieux. En passant, nous allons examiner cinq grandes religions du monde. Hindouisme, islam, bouddhisme, christianisme et judaïsme. Chacun d'eux a un fondateur, sauf l'hindouisme, qui n'a pas de fondateur. Mais tous ont des écrits, qui sont appelés les écrits de base de cette religion. Donc la question est maintenant de savoir quel genre d'œuvre est ce texte. L'écriture ancienne est divisée en quatre. Folklorique ou conte populaire, légende, mythe ou historique. Qu'entendons-nous par ces mots? Le conte populaire, il n'y a pas de tentative d'énoncer une histoire vraie ou véridique. L'intention principale est d'être intéressant et de faire ressortir une leçon ou une morale. En d'autres termes, nous savons que l'histoire n'est pas vraiment vraie. Et donc, le vent peut vous révéler un beau secret, où le soleil peut vous sourire, où les animaux peuvent se réunir dans une grande réunion de comité. Ils savent que ce n'est pas vrai. Ils l'inventent pour qu'ils puissent nous en tirer une histoire ou une leçon. Donc, le conte populaire, l'histoire elle-même n'est pas vraie. Quand il s'agit d'une légende, c'est probablement basé sur une histoire vraie et réelle. Mais voici ce qui en fait une légende. Les changements arrivent petit à petit, jusqu'à ce que ce qui est ordinaire devienne extraordinaire, ce qui est humain devienne surhumain. Et ces changements commencent, généralement, des générations après l'événement, quand il n'y a plus de témoins oculaires pour contester le changement. Parfois, la période de temps pour faire une légende, c'est des siècles. Ce n'est pas tout de suite. Une légende n'est pas faite dans la même génération que l'événement qu'elle décrit. Voici un exemple de combien de temps cela prend. Ce médaillon, faisant référence à quelque chose qui a été sculpté sur le Gautama Buddha à l'époque, ce médaillon remontait certainement au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Si nous mettons le nirvana du Bouddha ou sa mort au cinquième siècle avant Jésus-Christ, alors l'artiste qui a sculpté le médaillon doit avoir vécu à une époque où le souvenir du bienheureux était encore très frais dans l'esprit des gens.
Pouvez-vous voir l'envergure? 300 ans et le souvenir était encore frais. En d'autres termes, vous ne pouvez pas faire trop de changements. Et c'est pourquoi nous disons que les légendes sont faites souvent des générations après l'événement qu'elles décrivent et la période de temps est généralement sur des siècles. Un mythe est si loin dans l'histoire qu'il est généralement accepté comme l'imagination de quelqu'un. L'histoire n'est probablement pas vraie, les personnages sont probablement fictifs et ils impliquent généralement le monde surnaturel des dieux et des déesses. Ici, le laps de temps est sur plusieurs siècles, même millénaires. Qu'en est-il du récit historique? Ici, la tentative est d'énoncer l'histoire telle qu'elle est vraiment. Pas d'ajout significatif, aucun changement central. Et nous utilisons spécifiquement le mot « central » parce que toutes les écritures anciennes ont des changements. La question est de savoir si ce sont des changements périphériques ou si ce sont des changements qui déplacent vraiment l'histoire de sa forme originale. Et un critère, plus le texte parlant de l'événement est proche de l'événement, mieux c'est. Plus il est crédible. En fait, de tous ces quatre types, contes folkloriques, mythes, légendes historiques, l'historique est le morceau de la littérature ancienne le mieux crédité. Maintenant, regardez ces lettres sur l'écran. EV signifie événement. Chaque fois qu'il y a un événement inhabituel, les gens en font une histoire. Parce que c'est la seule façon de le transmettre de génération en génération, de cette génération à l'autre également. Alors, quand il est transmis, cela s'appelle la tradition orale. Donc, à partir de l'événement, nous obtenons la tradition orale. Puis quelques générations, certains d'entre eux disent, nous pourrions oublier certains détails. Et donc, ils acceptent donc de l'écrire. Quelqu'un l'écrit et ensuite, cela devient une tradition écrite, WT. Alors, l'événement, la tradition orale, la tradition écrite. Maintenant, nous n'avons aucun manuscrit original. Tout ce que nous avons, ce sont des copies. Donc maintenant, nous voulons demander, quel est le plus ancien manuscrit que nous ayons? Quelle est la plus ancienne copie que nous ayons? Cela s'appelle EM. Et vous remarquez également un tiret entre les lettres. Le tiret fait référence aux intervalles. Si les intervalles sont vraiment grands, alors la crédibilité de ce morceau de littérature chute. Si les intervalles sont très proches, alors la crédibilité augmente. Examinons donc maintenant les écrits eux-mêmes de ces cinq grandes religions du monde pour voir comment ils se comportent par rapport aux descriptions de ces quatre types de récits dont nous avons parlé. L'hindouisme, le Rig Veda est le plus ancien, puis l'anthologie qui sont l'Upanishad, puis la grande histoire du Ramayana, suivie de la Mahabharata dans lequel se trouve la Bhagavad Gita que tout le monde cite et décrit comme le cœur de la pensée hindoue. Donc la Bhagavad Gita est fondamentalement le bébé des écrits hindous traditionnels. Regardez cette déclaration concernant la Bhagavad Gita. Le Seigneur Krishna a déclaré pour la première fois la Bhagavad Gita au Dieu Soleil il y a quelques centaines de millions d'années. Personne ne peut vérifier cela. Le fait est que l'histoire dit qu'elle a été perdue pour la race humaine et qu'elle est revenue encore à la bataille de Kurukshetra au début de l'ère actuelle, l'ère hindoue. 3102 avant Jésus-Christ. C'est aussi il y a 5000 ans. Si difficile de revenir et de vérifier les faits. Et c'est pourquoi la plupart des érudits conviennent que les histoires hindoues, ces grandes comme la Ramayana et la Mahabharata, sont en fait des mythologies dans leur qualité fondamentale. Et c'est pourquoi l'encyclopédie ultime de la mythologie dit Krishna, selon la mythologie hindoue, est un avatar ou un incarné de Vishnu, le conservateur de l'univers humain. Donc, les écrits hindous sont fondamentalement mythologiques. Pas faux. Nous ne les discréditons pas, mais nous déclarons qu'ils sont mythologiques. Qu'en est-il du bouddhisme? Voici quatre déclarations. L'humanité du Bouddha est exprimée par le moine Theravada. Un moine Theravada est celui qui a vécu à l'époque du Gautama Buddha. Et il dit ceci. N'est-il pas né à Lumbini? N'a-t-il pas terminé son existence à Kusinara? En d'autres termes, il est né ici, il est mort là, comme n'importe qui d'autre. Phrase ou déclaration 2. Peu de temps après le décès du maître, un changement a commencé à s'installer. Et que dit la troisième déclaration? Au début de l'ère chrétienne, 4 ou 500 années se sont maintenant écoulées, la nature transcendantale, la nature surhumaine du Bouddha est devenue de plus en plus prononcée, petit à petit, de plus en plus.
et la déclaration 4. Dans l'une des pièces les plus importantes de la littérature Mahayana, il ne reste plus grand-chose de l'homme dans le Bouddha. Le bouddhisme Mahayana est entré en scène 700 à 1000 ans plus tard. Il est maintenant, dans cette littérature Mahayana, un être exalté qui a vécu pendant d'innombrables siècles dans le passé et continuera à vivre toujours. Alors, il a été dit dans les premiers écrits qu'il était juste une personne ordinaire qui est née ici et est morte là. 700 à 1000 ans plus tard, oh non, il n'est pas né, il a toujours vécu. Et il n'est pas mort, il vit pour toujours. Ce changement dit que l'histoire du Gautama Bouddha est fondamentalement une légende. Qu'en est-il du judaïsme? 39 livres dans l'Ancien Testament, 20 auteurs. Ce sont les livres que les érudits prennent de là. Il a été sorti le Talmud, la Torah, le Talmud, l'écrit principal de la culture judaïque. Je n'ai pas pu tous les classer en un seul. Alors je l'ai laissé non classé. Qu'en est-il de l'islam? Le Coran a été assemblé en 652 de notre ère, pendant 20 années de la vie de Mahomet. Et les écrits se limitent à une génération, mais Mahomet ne l'a pas écrit. Il était censé ne pas être si à l'aise avec l'écriture et la lecture. Et il est le seul qui a été inspiré selon la tradition islamique. Donc, des individus sans inspiration l'ont écrit. Oui, ils l'ont très probablement entendu de lui, mais c'est eux qui l'ont écrit. Il a été compilé deux fois. Et après la deuxième compilation du Coran, cela a été fait par le califat d'Outman. Outman, maintenant, le chef, a ordonné que tous les manuscrits soient détruits. Donc vraiment, difficile de revenir maintenant pour vérifier et voir si le Coran est vraiment la parole de Mohammed. Parce que le seul lien, ou l'un des grands liens, sont les manuscrits, et les manuscrits sont détruits. Mais nous avons quand même affaire à une période de temps, et comme il a été écrit tôt par rapport à l'événement, on peut dire que c'est historique. Qu'en est-il du christianisme? Le plus ancien manuscrit date de 114 à 134 de notre ère. Les manuscrits originaux étaient dans les 20 à 50 ans après la vie de Jésus, limités à une génération, et nous ne trouvons pas de changements fondamentaux. Mais savez-vous quel est le premier écrit chrétien? Il n'est pas dans la Bible. Eliezer Shuktanik, professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem, a trouvé deux ossuaires. Des ossuaires sont des récipients en forme de pot dans lesquels on met des os d'un mort et ensuite on enterre tous les pots. Ces ossuaires sont l'endroit où se trouvent les premiers écrits chrétiens. Ils sont datés de 41 de notre ère, donc 10 ans après la vie de Jésus. Sur l'un des ossuaires, on lit « Jésus, Dieu ». Et sur l'autre, on y lit « Jésus, celui qui est monté ». Prenez note. Réfléchissez. Pensez qu'il a fallu à Gautama Buddha 700 à 1000 ans pour se transformer d'humain en divinité. Ici, en 10 ans, tout le processus est passé de l'événement à la tradition orale, à la tradition écrite, le premier manuscrit, et dans le cas, c'est la tradition écrite elle-même, parce que ces écrits étaient les écrits originaux sur les ossuaires. 10 ans, au niveau de la chronologie, ce n'est rien. Et pendant tout ce temps, il est considéré comme Dieu. Personne ne l'a fait passer d'un simple humain à Dieu. C'est le seul écrit qui n'a pas d'intervalle. Nous pouvons donc déjà dire avec force qu'il n'y a plus de base solide pour dater un livre du Nouveau Testament après 80 de notre ère. Et c'est Sir William Albright, l'un des plus grands archéologues américains. La prochaine déclaration est de Netzot Gluck. Il est un archéologue juif. Et il dit, « L'on peut affirmer catégoriquement qu'aucune découverte archéologique n'a jamais contesté une référence biblique. » Vous devez dire « waouh ». Pas une seule. Donnez du crédit là où le crédit est dû. Que diriez-vous de l'un des plus grands archéologues de tous les temps, l'archéologue britannique, Sir William Ramsay? Il faisait son travail sur la période du Nouveau Testament ou l'année 100 de notre ère, le premier siècle. Dans ses fouilles, il est tombé sur une situation qu'il n'était pas vraiment capable d'expliquer. Il a regardé ici et là pour une explication, l'a trouvé finalement dans le texte de Luc du Nouveau Testament. Il est à nouveau retourné à ses fouilles et tombé sur une autre situation déroutante, et Luc l'a aidé.
Ça a duré encore et encore pendant 30 ans. Et après 30 ans, c'est ce que Sir William Ramsay a dit à propos de l'histoire de Luke. Luke est inégalé en ce qui concerne sa fiabilité. Cet auteur devrait être placé avec les plus grands des historiens. Pas des historiens religieux, les plus grands de tous les historiens qui se sont trouvés sur la Terre. C'est ce que Bernard Normand Gainer a dit. En tout, Luke a cité 32 pays, 54 villes et 9 îles sans une seule erreur. C'est inhabituel. Donc manifestement, le Nouveau Testament semble être historique. Donc j'ai ensuite comparé cela avec d'autres livres écrits que tout le monde considère comme historiques, de la même époque environ. Ces historiens romains, par exemple. Les guerres gaéliques de César, les histoires d'Hérodote et les annales de Tacite. Maintenant, je veux que vous examiniez trois facteurs ici. Numéro 1, écart de temps. Numéro 2, le nombre de manuscrits qui soutiennent le récit. Et numéro 3, la proximité des auteurs ou où se trouvaient les auteurs qui ont ensuite écrit l'histoire concernant ce qui s'est passé, l'événement. Donc premièrement, le numéro 1, les écarts. Les guerres gaéliques de César a été écrit en l'an 100 avant notre ère. Le manuscrit le plus vieux date environ de 900 de notre ère, un écart de 1000 ans. Les histoires d'Hérodote, un écart de 1400 ans. Les annales de Tacite, un écart de 1000 ans. En d'autres termes, aucun historien ou toute autre personne ne peut garantir que quelque chose a été changé, ajouté, supprimé ou modifié pendant 1000 ans. Et pourtant, il l'appelle historique. Donc l'écart est de 1000 ans. Ici, dans le Nouveau Testament, l'écart n'est fondamentalement que de 20 à 50 ans. Et si vous regardez les ossuaires, l'écart est inférieur à 10 ans. Donc si 1000 ans d'écart, c'est historique, nous ne devrions avoir aucun problème avec 10 ans. En fait, il n'y a pas d'écart du tout. Le maximum de la crédibilité. Qu'en est-il du nombre de manuscrits ? Pourquoi regardons-nous le nombre de manuscrits ? Parce que s'il y en a deux ou trois, disons un chez vous dans cette ville et j'habite dans la même ville et un des manuscrits est chez moi et l'un est à l'épicerie et un à la bibliothèque. Alors une nuit, certains d'entre nous qui n'aiment pas ce qui est écrit dans le troisième ou le quatrième paragraphe de cette page, nous ne l'aimons pas et nous allons le changer. Nous allons à tous les manuscrits et nous le changeons et le matin, personne ne sait qu'ils ont été changés et donc falsifiés. Car tous ont été modifiés de la même manière. Il n'y a aucun moyen de décider s'il a été falsifié ou non. Alors que si on a 50 manuscrits, un ici, un là, un dans ce pays, un dans cet état, un dans cette autre ville, vous ne pouvez pas aller les voir tous dans un court laps de temps et faire le changement. Pendant que vous faites le changement, les gens sauront que le changement est en train d'être fait. Et ensuite, ils retourneront faire des recherches là-dessus et réaliseront qu'il a été falsifié. Mais on connaît aussi l'original qui n'a pas été falsifié. Autrement dit, si c'est un petit nombre, il est possible qu'il soit falsifié. Alors que si c'est un grand nombre de manuscrits, alors l'accusation de falsification descend. Car si tous disent la même chose, il est difficile d'imaginer que quelqu'un ait échangé tous les manuscrits. Donc le nombre de manuscrits. Les guerres gaéliques de César sont soutenues par 10 manuscrits dans le monde entier. Les histoires d'Hérodote par 8 manuscrits à travers le monde. Les annales de Tacite par 20 manuscrits dans le monde. Le sommet de la littérature grecque, c'est l'Iliade d'Homère. L'Iliade d'Homère est soutenue par 643 manuscrits. Maintenant, vous pouvez presque dire « waouh » parce que ces nombres sont si petits, 8, 20, et que l'Iliade d'Homère, c'est 643. Maintenant, supposons que je vous dise que le Nouveau Testament est soutenu par 686 manuscrits. Donneriez-vous le crédit là où le crédit est dû? J'espère que vous le feriez. Mais quel est vraiment le nombre? Savez-vous que le Nouveau Testament est soutenu par 5686 manuscrits? Et ce ne sont que les manuscrits grecs. Si vous ajoutez l'araméen et l'arabe et l'égyptien qui est le copte et tous les autres mis ensemble, vous savez combien de manuscrits soutiennent le Nouveau Testament?
24 900. Regardez les nombres. Regardez 10, 20. Et regardez 24 900. Donc, avec ce facteur également, le Nouveau Testament est incroyable, vraiment impressionnant. Qu'en est-il de la position des auteurs? Où étaient-ils, ces auteurs? Étaient-ils à proximité ou sont-ils éloignés? Peut-être de la situation géographique ou peut-être dans le continent d'à côté. Alors, la crédibilité descend un peu, peut-être séparée par quelques générations. Encore une fois, la crédibilité va baisser. Alors que s'ils étaient proches, la crédibilité augmente. Maintenant, si vous examinez tous les écrits historiques de cette époque, il n'y a pratiquement aucun écrit dont l'auteur était très proche de l'événement. Mais regardez ces déclarations des auteurs du Nouveau Testament. Pierre, qui est un auteur, il dit, « Nous n'avons pas suivi les fables, mais étaient témoins oculaires. » Ils étaient là, tout comme Jean. Dans la déclaration suivante, Jean dit qu'à partir de cette heure, ce disciple, se signifiant lui-même, Jean, l'a emmené, signifiant Marie, dans sa propre maison. Alors Jean écrit sur lui. Que diriez-vous de Luc? Il nous est dit quand nous avons navigué sur la mer, quand nous sommes arrivés à Myra, il était présent. Donc ces auteurs sont-ils loin ou près? Ils ne sont pas seulement tout près. Ils font partie de l'histoire. Et vous ne pouvez pas vous approcher plus qu'à l'intérieur même de l'histoire. Pouvez-vous voir la crédibilité alors de ce bout de littérature? Par conséquent, en termes réels, dit Rabbi Zacharia, le Nouveau Testament est facilement l'écrit ancien le mieux attesté en termes de nombre pur de documents, le laps de temps entre les événements et les documents, et la variété de documents disponibles pour soutenir ou contredire cet écrit. Il n'y a rien dans les preuves manuscrites anciennes pour égaler une telle intégrité et disponibilité textuelle. Que diriez-vous de la déclaration de Sir Frederick Kenyon? Il a examiné à nouveau tous ces facteurs, comme nous l'avons fait. Et voici ce qu'il dit. Aucun autre livre ancien a quelque chose comme un témoignage aussi précoce et abondant dans son texte. Et aucun interlocuteur impartial ne nierait que le texte qui nous est parvenu est substantiellement solide. Maintenant, cela dit quelque chose, n'est-ce pas? Et voici la déclaration de F.G.A. Hoth. Dans la variété et la plénitude des preuves sur lesquelles il repose, le texte du Nouveau Testament est absolument unique et inégalable parmi les écrits en prose ancienne. Pas parmi les écrits en prose religieuse, parmi tous les écrits anciens, en d'autres termes. Regardez les écrits non structurés des Mayas et des Sumériens. Et les écrits quelque peu structurés des Égyptiens et des Assyriens et des Babyloniens. Et puis les écrits les plus structurés des Chinois et des Indiens, des Grecs et des Romains. Et vous les mettez tous sur une table à un niveau uni. Ce Nouveau Testament s'élèvera comme la pièce de littérature la mieux attestée au monde. Sur la base des caractéristiques de ce qui le rend historique, et l'historicité augmente la crédibilité. Et c'est ce que nous recherchons. Donc certaines personnes disent « Oh, je ne pense pas que je puisse être d'accord avec ce qui est écrit là-dedans, parce que ça sonne mythologique. » Oui, ça l'est, mais les caractéristiques de l'écriture sont clairement historiques. En d'autres termes, son historicité est si forte que voici ce que John Warwick Montgomery a dit. Être sceptique quant au texte résultant des livres du Nouveau Testament, c'est permettre à toute l'Antiquité classique de glisser dans l'obscurité, car aucun document de la période antique n'est aussi bien attesté bibliographiquement que le Nouveau Testament. Connaissez-vous la signification de ces mots? En d'autres termes, voici ce qu'il dit. Si vous regardez le Nouveau Testament et dites « Oh, je ne sais pas si je l'aimerais, je vais le mettre de côté. » Et si vous le mettez de côté, alors vous devez mettre de côté tous les autres écrits historiques de cette période ancienne.
parce que tous les autres écrits n'égalent pas la crédibilité du Nouveau Testament. Celui-ci a la plus grande crédibilité. Alors, si nous le rejetons, nous ne pourrons pas parler des pharaons, ou des dynasties chinoises, ou de Babylone, ou de Cyrus le Grand, ou de Alexandre le Grand, ou de César Auguste, ou de Jules César, aucun d'entre eux. Tous doivent être déplacés dans l'obscurité. Cela semble être la norme. Maintenant, c'est incroyable parce que c'est un écrit religieux. Et les gens font parfois la différence entre un écrit religieux et un écrit profane. Ils l'appellent histoire religieuse et histoire profane. Mais, mon ami, en fait, il n'y a pas de différence entre l'histoire religieuse et l'histoire profane. Si c'est historique, c'est tout simplement l'histoire. Il n'y a pas de différence entre ces deux catégories. Regardez ce que nous avons vu. Examinez les facteurs que nous avons pris en considération. Nous avons examiné non seulement 1, 2, 3, 4, 5 facteurs. Et quand vous les regardez tous, comparez tous les écrits religieux, le Nouveau Testament n'est pas seulement solidement historique, mais la pièce historique de littérature la mieux attestée dans le monde. Pensez-vous qu'il est unique, comme s'il est coloré en rouge? Alors que le Coran et le Nouveau Testament sont de nature historique selon les critères que nous avons appliqués, le Nouveau Testament a clairement la plus grande crédibilité et l'intégrité du texte, probablement une bille rouge. Si vous avez apprécié cette présentation avec Dr. Subodh Pandit et vous souhaitez regarder plus de cette série unique de 13 parties, gratuitement en ligne, visitez le site web godfactorfiction.com. C'est godfactorfiction.com. Si vous souhaitez commander cette série fascinante sur DVD, elle est maintenant disponible chez White Horse Media. Pour commander de l'intérieur des États-Unis, appelez 1-800-782-4253. Dr. Subodh a écrit 2 livres révélateurs intitulés « Venez et cherchez avec moi, Dieu existe-t-il vraiment ?» et « Venez chercher avec moi le poids de l'évidence », qui explore davantage les sujets de l'évolution du théisme, de l'athéisme et de la religion. Pour commander ces livres aux États-Unis, appelez... Si vous habitez en dehors des États-Unis, vous pouvez également les commander facilement sur Amazon.com.